du jour au lendemain, penser qu'on peut se retrouver en banlieue ou ben, on se voit dans la rue, carrément, tu sais. Il ne faut pas rendre ce processus d'éviction facile. C'est ça, faut pas tuer la vie de quartier. On est dans une crise de logement là, actuellement, depuis des années en plus. La majorité des projets de reprise ou d'éviction sont acceptés par le tribunal administratif du logement. Pourtant, selon une étude publiée en 2020, près du trois quarts des évictions et des reprises étudiées se sont révélées frauduleuses ou malveillantes. Les incohérences de la loi et les tactiques spéculatives nourrissent la crise du logement et contribuent à la hausse exponentielle des loyers. Le logement est un droit et nous demandons au gouvernement d'agir. Joignez votre voix à la nôtre.